Eccoci alla prima sessione di questa seconda giornata del nostro convegno. Io sostituisco indegnamente il collega che non ha potuto presiedere questa seduta e ho il piacere di presentare qui la nostra prima relatrice, Geneviève Lachance, che ha ottenuto il suo dottorato nell'Università di Montréal e anche all'Université Paris-La Sorbonne. La sua tesi di dottorato riguarda la concezione platonica della contraddizione ed attualmente lei sta seguendo un post-dottorato, ma già finito forse il suo post-dottorato? No, non ancora finito il suo post-dottorato presso l'Università Libera di Bruxelles e sta lavorando sull'antilogica e sull'eristica. Prego. La sua relazione ha per titolo La figure du philosophe entre réalité et apparence. Bonjour, m'entendez bien? Le terme philosophia apparaît dès les premières pages du Phédon. En 59 à 3, le narrateur du dialogue nous y apprend que Socrate, bien qu'enchaîné en prison et attendant sa dernière heure, continuait à s'occuper de philosophie. Il réapparaît par la suite à de multiples reprises. Au total, on recense 39 occurrences des termes de la famille de philosophia dans le Phédon, incluant philosophos, philosophéo et ses dérivés. Or, il est intéressant de noter que plus du tiers des occurrences des termes de la famille de philosophia sont accompagnés de qualificatifs servant à souligner leur caractère authentique. En d'autres mots, dans le Phédon, il ne s'agit pas uniquement du philosophe, mais du philosophe véritable, aletos gnesios, de celui qui pratique réellement, toyonti, la philosophie. De même, il ne s'agit pas seulement de la philosophie, genre dans lequel peut s'immiscer de nombreux éléments disparates, voire opposés, mais de la philosophie droite et convenable, qui s'exerce de façon correcte, orthos. Cette précision, qui a de quoi surprendre, révèle une tension inhérente au texte. Si Socrate ressent la nécessité de parler d'une philosophie authentique, n'est-ce pas là le signe qu'il en existe une autre, inauthentique et illusoire, avec laquelle il désire prendre cette distance? Si Platon déploie autant d'efforts pour souligner le caractère légitime de certains philosophes, n'est-ce pas parce qu'il est d'avis qu'il en existe d'autres, frauduleux, avec lesquels il est confronté? Bon, on le sait depuis l'Antiquité, le Phédon s'attache entre autres à définir l'exercice pur et vrai de la philosophie. La description platonicienne du philosophe véritable est donc bien connue. Beaucoup moins connus toutefois sont les opposants à cette figure du philosophe légitime. Dans les prochaines minutes, je m'attacherai à vous présenter un opposant précis, l'antilogicien, qui apparaît dans deux passages du Phédon. Je tâcherai de montrer que la critique platonicienne de l'antilogicien permet de mieux comprendre les pièges qui se dressent sur le chemin de la sagesse et apporte ainsi un éclairage nouveau sur l'un des thèmes centraux du Phédon, à savoir la philosophie. Bon, qui est l'antilogicien? Antilogikos. Bon, tout d'abord, il convient de noter que l'adjectif antilogikos ne se retrouve avant Platon que chez Aristophane et qu'il sert à qualifier un individu plutôt qu'à nommer un groupe de personnes précises. Il convient également de noter que, contrairement à ce qu'ont laissé entendre plusieurs commentateurs, Platon a une opinion assez négative des antilogiciens et qu'il les considère la plupart du temps comme des héristiques. Enfin, il est intéressant de signaler que les termes de la famille d'Antilogikos se retrouvent majoritairement dans les dialogues platoniciens dits de maturité et de vieillesse. D'ailleurs, le dialogue Le Sophiste compte à lui seul pas moins de la moitié de toutes les occurrences de l'adjectif Antilogikos. Bon, la première occurrence de l'adjectif Antilogikos apparaît dans le Phédon en 90C1, soit dans le passage sur la misologie. Ce passage, qui est compris dans la partie centrale du dialogue, est à lire sous le signe de l'avertissement. D'ailleurs, on retrouve deux occurrences du verbe « eulabéomai » au tout début et à la fin du passage.
L'avertissement de Socrate consiste en ceci. Devant un logos qui apparaît à la fois vrai et faux, il faut éviter de succomber au pathos de la misologie, c'est-à-dire de détester les logoria. Plus précisément, il ne faut pas croire que les logoi ne contiennent rien de sain ni d'assuré. De l'avis de Socrate, ce ne sont pas les logoi qui ne sont pas sains, mais c'est la personne qui les manipule. Il manque à cette dernière le savoir de l'expert en logoi. Elle est anutes spiritus logus technes, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas la compétence nécessaire pour discriminer les logoi vrais des logoi faux. Bon, une fois cet avertissement lancé, Socrate continue sa critique de la misologie de la manière suivante. Alors, je vais vous lire le passage 90b9c3 dans la traduction de Monique Dixot, avec de légères modifications. Et tu le sais bien, ce sont précisément caimalistadae, ceux qui passent leur temps à s'occuper d'arguments contradictoires, oi peritus antilogicus logus diatrix santes, qui finissent par croire qu'ils sont arrivés au comble de la maîtrise et qu'ils sont les seuls à avoir compris qu'il n'y a rien de sain ni d'assuré en aucune chose, ni en aucun raisonnement non plus. Que tout ce qui existe se trouve tout bonnement emporté dans une sorte d'eurip, ballotté par des courants contraires, impuissant à se stabiliser pour quelque durée que ce soit, en quoi que ce soit. Bon, que retirer de ce passage? Bon, tout d'abord, ceux qui s'occupent de discours contradictoires, qui seront d'ailleurs qualifiés d'antilogikoi plus tard en 101e, représentent un exemple précis, kaimalistadae, de misologue. Par conséquent, s'ils sont misologues, ils sont donc dépourvus de cette mystérieuse spiritus logus technet dont nous venons de parler. Deuxièmement, en tant que misologue, ils détestent les logoi, mais ils passent leur temps à s'occuper d'une forme précise de logoi. Ce qui est assez bizarre, il faut l'avouer. Platon les appelle arguments ou discours antilogiques, antilogikoi logoi, mais il ne nous indique pas en quoi ces logoi consistent précisément. Enfin, les antilogiciens sont d'avis que le monde sensible est en mouvement constant, et par voie de conséquence, qu'il n'y a rien de sain dans les choses. Donc, avant de poursuivre l'analyse, il convient d'avoir en tête la conclusion du passage sur la misologie. Socrate nous dit la chose suivante, et je vais vous lire le passage 90E4-91A5. « Car je cours, moi, un risque, kinduneo egogé, dans ce moment présent, où il n'est plus question que d'elle, c'est-à-dire la mort, celui de ne pas me comporter en philosophe, ou philosophos, mais semblable en cela aux gens qui manquent de culture véritable, oi panu apai de toi, en homme qui aime à triompher, philonikos. » Les gens dont je parle se moquent en effet complètement lorsqu'ils entament une controverse à propos d'un objet donné, de savoir comment sont réellement les objets dont ils parlent. Non, ils mettent toute leur énergie, protumuntai, à faire adopter par ceux qui les écoutent la manière dont eux ont déterminé ces objets. Bon, contrairement à ce qu'ont avancé certains interprètes, Socrate n'avoue pas ici ne pas agir en véritable philosophe, ou pire, ne pas être en mesure d'adopter un comportement sain à l'égard des logoi. Ces interprétations font abstraction d'un élément linguistique important. Socrate n'affirme pas qu'il ne se comporte pas de manière non philosophique, mais plutôt qu'il risque, kinduneo, de se comporter de la sorte. Bon, pourquoi un tel risque? Bon, malheureusement, le cadre de cette présentation ne me permet pas de m'étendre sur le sujet, mais je peux tout de même vous dire que ce risque est intimement lié au zèle trop ardent dont fait preuve Socrate. D'ailleurs, il convient de noter que la fin du passage sur la misologie contient pas moins de 5 occurrences des termes de la famille de Protumia. Donc, en fait, Socrate et les gens sans éducation font tous deux preuve de zèle, mais Socrate fait preuve de zèle pour faire valoir quelque chose qu'il croit être vrai, tandis que les gens totalement dépourvus d'éducation font preuve de zèle, mais simplement par simple désir de vaincre. Donc, le passage que je viens de vous lire est important car Platon y assimile une façon d'agir non philosophique ou philosophos à une autre façon d'agir, qui consiste à rechercher la victoire, philonikos. Cette façon d'agir est attribuée explicitement à des gens qui sont totalement sans éducation, oi panu apai de toi. Bon, selon moi, il ne fait aucun doute que ces gens totalement dépourvus d'éducation, qui n'agissent pas de manière philosophique, mais par simple amour de la victoire, sont les antilogiciens. Bon, tout d'abord, parce qu'on retrouve déjà en 101e une même opposition, c'est-à-dire qu'en 101e, un peu plus tard dans le texte,
Socrate enjoint Cébès à ne pas agir comme les antilochiens s'il est vraiment de la race des philosophes. Eiter eiton philosophon. Deuxièmement, l'adverbe philonikos est intimement lié à l'héristique, soit à cet art de la controverse qui consiste en l'échange de questions et de réponses brèves, ayant pour but la réfutation et la victoire du répondant, peu importe la vérité. Or, Platon associe fréquemment l'antilogique à l'héristique, au point où il est même permis d'avancer que lorsqu'il parle des antilogiciens, il parle en fait des héristiques. Bon, pour preuve, je vous réfère au passage 225A2, 226A4 du Sophisme, qui est un passage qui a été ignoré par George Kerford dans le chapitre qu'il a dédié à l'antilogique, et qui est un passage important dans lequel l'héristique est décrite comme comprise en antilogique. C'est la cinquième définition de la sophistique. Je vous réfère également au passage 452E, 456A de République 5, où l'antilogique, antilogiket techné, est associée à une manière héristique d'agir, laquelle ne consiste pas en une véritable discussion. Et je vous renvoie également au passage 164C7 des 10 du Thétète, où la façon antilogique de raisonner, antilogikos, est définie comme l'utilisation superficielle du langage dans le simple but de triompher aux dépens de son adversaire. Ce qui, de l'avis de Platon, n'est pas une conduite propre aux philosophes, philosophoi, mais aux gens qui aiment à se battre, agonistai. Enfin, je suis d'avis que la mention « oi panu apai de toi » renvoie à la mention « anultes spiritus logus technes » de 90b7, puisqu'en fait, Platon continue à nous parler des antilogiciens. Donc, si tel est le cas, l'éducation dont seraient totalement dépourvus les antilogiciens se rapporterait à la peritus logus technes. Bon, oui, les antilogiciens possèdent bien une technique, c'est la technique antilogique, mais il semble que Platon ne la considère pas comme une véritable technique. Il lui en oppose même une autre qui serait plus sérieuse, soit la peritus logus technae. Bon, quelle est cette mystérieuse technique qui fait défaut aux antilogiciens? Bon, il y a plusieurs interprétations qui ont été données, et puis il n'y a pas vraiment de consensus sur la question. Mais selon moi, si on se repose sur les autres passages du corpus platonicien, dans lesquels il est question d'antilogique, et aussi si on se repose sur un passage de République 6, où Platon utilise une expression similaire. Il utilise l'expression « to peritus logus » pour faire référence à cette partie la plus difficile de la philosophie qui concerne les logoi. Alors, je crois que si on se repose sur ces deux éléments, je crois qu'on serait permis de penser que Platon utilise cette expression-là, « peritus logus techné », pour faire référence à la dialectique. Bon, maintenant, n'est-ce pas curieux que les antilogiciens détestent les logoi alors qu'ils passent leur temps justement à s'occuper d'un type précis de logoi, soit les logoi antilogiques? Cette question mérite d'être posée. Elle va nous éclairer sur le fond de la critique platonicienne. Bon, tout d'abord, en quoi consistent les logoi antilogiques? Il y a certains commentateurs, dont Ackford et Gallup, qui ont associé ces derniers au dissoi logoi, c'est-à-dire à ce recueil de textes dans lequel l'auteur présente des arguments pro et contra la même thèse. Toutefois, je suis davantage d'avis que les logoi antilogiques dont il est ici question font davantage référence à la réfutation, c'est-à-dire à l'hélénkos, soit à cette pratique durant laquelle une thèse est réfutée après mise en évidence de contradiction. Bon, je suis de cet avis pour plusieurs raisons, mais je vais vous en donner uniquement deux. Tout d'abord, parce que les antilogiciens sont souvent présentés dans les dialogues platoniciens comme David réfutateur, entre autres dans le Lysis 216A5B9, dans le Théétète 163B1-165E6 et dans la République 7 537E1-539D7. Et deuxièmement, parce que dans le Sophisme, dans la cinquième définition de la sophistique, les logoi dits antilogiques sont définis comme consistant en questions et réponses brèves et situées dans le cadre de réunions privées. Donc, c'est les deux caractéristiques principales de l'hélénkos, c'est-à-dire le fait la forme de questions et réponses et le fait de ne pas se dérouler en public, mais vraiment dans un cercle réduit de personnes. Bon, maintenant, pourquoi Platon dit-il que les antilogiciens détestent les logoi? Mais la réponse, en fait, est assez simple, surtout après avoir lu le passage sur la misologie. Tout simplement parce que les antilogiciens sont d'avis qu'il n'existe rien de sain ni d'assuré dans les logoi. En d'autres mots, ils considèrent les logoi comme ni vrais ni faux,
ou à la fois vrais et faux. Les logos qui sont utilisés par les antilogiciens sont donc à l'image du monde sensible dans lequel ils vivent et sur lequel ils concentrent leur attention. Ils sont en mouvement constant et oscillent d'un opposé à l'autre. Cette conception des logos est diamétralement opposée à celle du philosophe véritable. Bon, oui, le philosophe véritable croit comme l'antilogicien qu'il n'existe rien de sain dans les choses du monde sensible, car elles varient constamment. Toutefois, contrairement à l'antilogicien, il est d'avis qu'il existe des formes qui restent toujours les mêmes. Il a même fait ces formes l'objet de sa recherche. Il est également d'avis qu'en analysant les logoi, on se prive de la vérité et du savoir sur ce qui est. Donc les logoi sont instrumentaux, voire cruciaux à la recherche du philosophe authentique. Le comportement donc des antilogiciens et des philosophes véritables vis-à-vis des logoi est diamétralement opposé. D'un côté, les antilogiciens s'amusent avec les logoi, car ils ne leur accordent aucune valeur réelle et contribuent ainsi à propager la haine des discours et le relativisme. De l'autre, les philosophes véritables considèrent les logoi comme instrumentaux à leur recherche et les utilisent comme un moyen d'atteindre la vérité, puisque selon eux, celle-ci existe. D'ailleurs, le passage 101 C9 E1, c'est-à-dire la seconde occurrence d'adjectif antilogikos dans le Phédon, nous permet de mieux comprendre pourquoi les logoi sont si importants à la véritable recherche philosophique. Socrate y décrit la méthode qu'il utilise dans ses recherches. Donc, il s'agit dans un premier temps de poser un raisonnement qui soit le plus solide, puis d'accepter comme vrai tout ce qui consonne, c'est une phonème, avec lui, et inversement, de rejeter comme faux tout ce qui ne s'y accorde pas. Donc, on voit que la contradiction joue aussi un rôle central. C'est en décelant les contradictions entre un raisonnement donné et l'hypothèse la plus solide qu'on parvient à déterminer la fausseté de cet argument. Dans un deuxième temps, lorsque l'hypothèse la plus solide est elle-même remise en question, il s'agit de vérifier si toutes les conséquences qui ont été tirées, de cette dernière sont mutuellement consonantes ou non. Donc Socrate critique précisément les antilogiciens sur ce point. Les antilogikoi confondent le principe avec ses conséquences. Puis cette manière de procéder ne vise pas à découvrir ce qui est. Puis de toute façon, cette découverte importe peu aux antilogiciens. Ils retirent surtout de la satisfaction lorsqu'ils embrouillent la discussion et jettent leur interlocuteur dans une confusion. Cette manière de procéder n'est pas philosophique. Si Sébastien est vraiment de la race des philosophes, hyper eton philosophum, il ne confondra pas le principe avec ce qui en découle, mais partira plutôt à la recherche d'une hypothèse supérieure, laquelle rendra compte de l'hypothèse initiale. Donc, les raisons pour lesquelles Platon s'oppose aussi tarifement aux antilogiciens deviennent alors évidentes. Bon, tout d'abord, ces derniers utilisent l'un des outils préférés de Socrate, à savoir l'hélenkos. Or, ils l'utilisent de manière dévoyée. Leur objectif est de vaincre leur interlocuteur, tandis que Socrate, lui, ne vise apparemment que la vérité. Les antilogiciens empruntent donc le masque du philosophe véritable et pervertissent ainsi la philosophie. De plus, nous venons de voir le rôle central joué par la contradiction dans la méthode de Socrate. Les arguments qui ne consonnent pas avec l'hypothèse la plus solide sont tout simplement rejetés. La contradiction révèle ainsi la présence d'erreurs dans le travail philosophique. Or, la contradiction joue également un rôle dans la technique antilogique. Les antilogiciens visent une seule et unique chose, faire ressortir les contradictions au sein du discours de leur interlocuteur dans le but de les réfuter. Toutefois, les contradictions qui sont obtenues par les antilogiciens sont apparentes, c'est-à-dire qu'elles reposent dans la majorité des cas sur des oppositions qui ne sont pas véritables, mais sur des jeux de mots, des divisions erronées ou des arguments superficiels. Les antilogiciens viennent ainsi brouiller la marche philosophique de l'âme vers la vérité. En effet, si nous accordons crédit aux paroles de l'antilogicien et croyons que les contradictions qu'il soulève sont véritables, nous serons alors invariablement portés à délaisser les logoi vrais qui apparaissent faux et inversement à adopter les logoi faux qui apparaissent vrais. Nous serons également séduits par la voie du relativisme, puisque nous finirons par croire que tout ce que nous connaissons et pensons certains est en fait soumis à la contradiction. L'antilogicien apparaît donc ici dans toute sa clarté, l'opposé total du philosophe véritable.
faisant pencher l'âme humaine du côté du même relativisme dont est empreint le monde sensible, il la dévie de sa montée vers l'intelligible en lui faisant croire qu'il n'y a rien de saint ni d'assuré dans les logoï. Il la prive ainsi des logoï qui lui permettraient de vivre la seule vie qui mérite d'être vécue, c'est-à-dire la véritable vie philosophique. Merci. Molte grazie alla prima relatrice per questa relazione interessante e molte grazie anche per essere stata perfettamente nei tempi che ci hanno assegnato. E io suggerisco, abbiamo qui deciso di non fare immediatamente la discussione di questa relazione perché la prossima relazione riguarda lo stesso argomento e abbiamo pensato di raccogliere alla fine della seconda relazione tutte le domande. Vado quindi adesso, ed è per me un grande onore, presentare il professor Alonso Tordesillas, che è direttore dell'Istituto di Filosofia Antica dell'Università di Aix-Marseille e Aix-en-Provence in Francia, direttore dell'Istituto di Filosofia Antica, direttore del Centro di Studi del Pensiero Antico Kairos Kailogos, ed è anche adesso presidente della sezione mediterranea della Società Platonica Internazionale. I suoi studi sono focalizzati sulle questioni del linguaggio, della retorica, dell'argomentazione, della persuasione e anche sulle questioni politiche. La sua ricerca riguarda Platone, Aristotele e anche l'antico stoicismo. Soltanto per fare qualche nome, per dare qualche titolo delle sue ultime pubblicazioni, l'Apologie de Socrate-Platon e l'Apologie de Palamède-Gorgias, che è stato pubblicato negli Atti di Socratica, a cura di Fulvia De Luisa e Alessandro Stadro, e poi anche uno studio sul Simposio di Platone, Le Beau, une nature merveilleuse et une vision soudaine, che è stato appena pubblicato nell'ultimo volume sul simposio degli atti della Società Platonica a cura di Mauro Tulli e di Erler. E adesso vado senz'altro a dare la parola al professor Tordesillas con una relazione, il cui titolo è Socrate e les antilogicoi. Grazie beaucoup. Bien. Et l'avantage de parler après la précédente orateur, oratrice, est que je vais pouvoir m'économiser beaucoup de choses, puisque un certain nombre de points ont déjà été dits, et ça me laissera plus de temps pour la discussion. Donc, comme l'a rappelé, il y a deux références aux Antilogicoi, une fois en 90 CE1 dans le Phédon, et une fois en 52. Plus exactement, en 90 CE1, c'est une référence aux Antilogicoi logoi, et cette référence semble faire une sorte définitive à la position de Platon vis-à-vis de ses controversistes. Ce sont des héristiques qui se perdent à faire des joutes oratoires. Il mentionne de nouveau les Antilogicoi en 101 E1 pour, de nouveau, semble-t-il, séparer leur méthode de celle que préconise Socrate. Mais une lecture plus précise de ces quelques lignes, si on les met en relation avec la dizaine d'autres occurrences dans lesquelles Platon renvoie dans d'autres dialogues, comme l'a rappelé aussi notre oratrice, aux antilogicoi, à l'antilogique technique ou même à l'antilogia, par exemple le tétète, le sophiste, le prêtre, le 161D, ça permet de douter que les choses soient aussi simples et que la dialectique dont il est si souvent question comme de la méthode idéale pour parvenir à la vérité n'est pas une dette notable aux antilogies, d'autant que, dans le Phédon, quand Platon revient sur cette question en 5.1e, c'est peu après avoir dit que la seule sauvegarde possible était de trouver refuge dans les discours, 99. Donc les deux références du Phédon encadrent l'appel à la seconde navigation et se situent dans le premier cas dans le contexte de la mythologie et dans le second
dans le passage que l'on appelle le passage méthodologique. Dans le premier passage, Platon met en garde contre la haine des discours, la misologie, mise en relation avec la haine des hommes, la misanthropie. Toutes deux naissent de la même façon, dit Socrate. Voici comment s'insinue à nous la misanthropie. On accorde à quelqu'un son entière confiance, sans s'être donné aucun moyen de le connaître. On le tient pour un homme parfaitement loyal, droit, digne de confiance qu'on lui porte, et on ne tarde pas à découvrir qu'il ne vaut rien, qu'on ne peut s'y fier. Et on recommence avec un autre, et quand on a fait cette expérience, surtout quand on a été victime de ce qu'on tenait pour ses amis les plus proches, on finit, à force de déception, par détester tous les hommes, par estimer qu'à aucun, il n'y a rien qui vaille quelque chose. Et il n'en va de même pour les discours. La question se pose donc à deux niveaux, à un niveau que l'on peut dire psychologique ou moral, agir bien ou mal, le niveau de la loyauté, et à un niveau technique, celui de la compétence, auquel renvoie la suite du texte quand il se réfère au discours. La ressemblance entre les discours et les hommes porte seulement sur ce point qui se rate. Lorsque l'on commence à savoir qui, et je cite la bonne traduction, aucune compétence en matière de discours, peritus locus tegnes, par accorder son entière confiance à un discours et à le tenir pour vrai, on ne tarde pas à juger qu'il est faux. Il peut l'être en effet comme il peut ne pas l'être. Puis on recommence avec un autre et encore avec un autre. Et ainsi on passerait le reste de sa vie à détester les discours et à les calomnier en se privant ainsi de la vérité et du savoir concernant ce qui réellement existe. 98. La compétence en matière de discours apparaît donc comme une technique dont dépend la connaissance de ce qui est, comme le rappelle encore Platon en 99e, après en avoir appelé à la seconde navigation, pour exposer que la seule sauvegarde possible était de trouver refuge dans les discours. Et c'est dans ce passage qu'apparaît la première occurrence qui renvoie aux antidotes logos. Et ce sont surtout ceux qui passent leur temps à mettre au point des discours contradictoires, antidotes logos, qui finissent par croire qu'ils sont arrivés au comble de la maîtrise et qu'ils sont les seuls à avoir compris qu'il n'y a rien de simple ni d'assuré en aucune chose, ni en aucun discours, non. Que tout ce qui existe se trouve tout bonnement emporté dans une sorte de rythme, ballotté dans des courants contraires, impuissant à se stabiliser pour quelque durée que ce soit, en quoi que ce soit. Qu'il y ait là une allusion à Protagoras, cela paraît tout à fait vraisemblable. Protagoras avait écrit un livre intitulé « Les Antilogies » où il soutenait que sur toute question, on pouvait tenir deux discours opposés, y compris sur la question de savoir si sur toute question on pouvait tenir deux discours opposés. Et on trouve dans les Dissolvoi, comme l'a rappelé Madame Lachance, on trouve dans les Dissolvoi, dans lesquels on peut peut-être repérer des influences protagoréennes, des exemples d'opposition sur des thèmes comme le bien, le mal, le beau, le etc. Dans le Sophiste aussi, on trouve une référence aux Antilogikoi, plusieurs, 232b6, et à l'art de construire des discours opposés dans un passage 232b11e2, dans lequel on a pu également reconnaître une allusion à Protagoras, et certains commentateurs, notamment Montersigner, pensent même qu'il est possible, à partir de ce passage, de proposer une reconstruction des antilogies. Après avoir suggéré que le sophiste est antilogikos, l'étranger délai demande sur quoi portent les recherches de ces individus. Et il précise aussitôt les domaines dans lesquels cette technique est à l'œuvre. Les choses divines, le monde visible, les discours qui portent sur la nature des choses, la génération et l'être des choses, les lois et les régimes politiques, les diverses technailles, le registre de l'argumentation développée contre les adversaires, tous des sujets abordés par Protagoras. Donc les thèmes abordés recoupent en partie ceux qui sont abordés dans le Phédon et notamment pour ce qui concerne la nature. Les antilogikoi sont donc présentés par Platon comme ceux qui passent leur temps à construire des discours contradictoires, à soutenir des arguments opposés l'un à l'autre, pour le simple plaisir de les opposer, pour abuser la galerie, ou comme le dit Platon en 91a, pour triompher dans une joute. En 1941, Robinson avait déjà attiré l'attention sur la différence qu'il convient de faire entre l'héristique qui vise à triompher de l'adversaire sans égard à la vérité, et l'antilogique qui soutient parfois de façon radicale voire parfois agressive, comme le rappelle Platon, la thèse opposée à celle de son interlocuteur, quelle que soit cette thèse. C'est cette attitude, moins que la méthode elle-même, qui est reprochée par Platon aux antilogikoi. Dans le Théétète, en 164c, Socrate s'en prend non pas
au discours, mais à lui-même, pour s'être laissé aller à procéder comme les antilogicons. Nous avons l'air satisfaits de nous être comme des antilogicons, mis d'accord en ne prêtant attention qu'aux accords entre les mots, et de nous être, par ce genre de procédé, sortis de cette discussion. Et nous, qui dénions le qualificateur de lutteur, qui affirmons au contraire être des philosophes, nous ne nous apercevons pas que nous faisons la même chose que ces hommes amis. Le reproche que se fait Socrate à lui-même tient à sa propre attitude à l'égard des logoi. Il n'a pas été assez attentif. Ce n'est donc pas de manière intentionnelle, comme un hérétique, qu'il s'est laissé aller à procéder comme les antilogicons, mais il l'a fait à son insu, sans s'en apercevoir. Aussi, dans ce passage, Socrate ne s'en prend-il pas au discours, mais à lui-même et à son manque d'attention au discours. On trouve de nombreuses références, évidemment, dans les œuvres de Platon, je ne les citerai pas ici, à l'encontre de cette attitude qui est pour le moins ambiguë, aussi bien sur le plan psychologique que moral, dans la mesure où elle ne permet pas de distinguer, et c'est l'un des intérêts que porte Socrate, comment agir, si bien ou mal. Sur quoi donc porte la critique de Platon aux antilogicons dans cette première allusion au Phédon, où il traite de la version des logoi? Si l'on fait confiance à un discours que l'on croit prêt pour s'apercevoir qu'il est faux, on finira par haïr l'ensemble du discours et par se méfier de tous les logoi. Et tu le sais bien, dit Socrate, ce sont ceux qui passent leur temps à controverser antilogicons et logoi qui finissent par s'imaginer qu'ils sont devenus les plus sages de tous les hommes et qu'ils sont les seuls, mon œil, à avoir reconnu Katanomeo Genai, qu'il n'y a rien de sain ni d'assuré dans les pragmata non plus que dans les logos. Et suit le passage, bien sûr, célèbre sur l'Oripe, qui rappelle, par cette expression probablement proverbiale, le mouvement de va-et-vient incessant qui caractérise les choses sensibles. L'erreur des antilogicons n'est donc pas de considérer que les choses sensibles sont fluentes et instables. Sur ce point, Platon et Protagoras sont d'accord. Si les choses sensibles sont bien ainsi, le discours ne peut pas les dire sans accepter cette instabilité et cette fluence, et donc sans mettre en évidence des contradictions, voire éventuellement sans se contredire. C'est ce caractère changeant qui empêche que ce monde sensible puisse être objet de connaissance. La connaissance devant être nécessairement stable, elle requiert que les objets sur lesquels ils portent le soient aussi. L'expression « sans dessus-dessous » que l'on trouve tout à l'heure et qui caractérise la métaphore de l'Oripe, est employé encore une fois en 96b1 par Platon pour caractériser le trouble que Socrate, qui s'empare de Socrate lorsqu'il essaye d'expliquer le monde sensible dans des termes purement physiques avant précisément d'entreprendre la seconde navigation. Il semble bien que dans ce passage, Platon indique au moins en creux qu'il a des devanciers au regard de sa manière de concevoir les réalités sensibles. Le reproche qu'il fait aux antilogicons ne porte donc pas sur le fait qu'ils n'auraient pas compris ce qu'il a mis des choses sensibles, mais de s'imaginer qu'ils sont les seuls, mon œil, à avoir constaté qu'il n'y avait aucune stabilité dans les pragmata. Platon laisse donc clairement entendre que ces individus ne sont pas les seuls à avoir fait cette constatation. Kerfer, déjà cité, avait fait observer que kata ne noe kenai est une expression idiomatique qui indique que celui qui parle donne son aval à la thèse qui est discutée. L'erreur des antilogicons ne consiste donc pas à croire en quelque chose qui n'est pas, mais à prétendre être les seuls détenteurs d'une vérité, ou du moins d'une vérité, que celui qui parle fait passer pour vrai. 90 et 8, 90 et 7. Et de croire ensuite qu'il n'y a qu'une seule catégorie de discours. En effet, s'il n'y a qu'une catégorie de discours qui par eux-mêmes montre les contradictions internes inhérentes aux choses sensibles, il est une autre catégorie qui se rapporte aux objets stables et intelligents. Lors de la seconde navigation, c'est vers ces discours-là que se réfugiera Socrate pour éviter de tomber dans la misologie et la misanthropie. L'idée est que les philosophes, à la différence des sophistes, ne doivent jamais perdre leur foi dans les logoi, dans la mesure où il y aurait deux catégories de logoi correspondant à deux catégories d'objets, et à côté des logoi reflétant les contradictions internes ou inhérentes au flux des choses sensibles, il y aurait d'autres logoi stables et dignes de confiance. L'erreur des personnages visés par Platon serait de s'en tenir à la première catégorie de logoi. Entre la technique hérétique et la méthode exposée par Platon, rappelle Kerfer, il y a une technique qui conviendrait au logoi et qui prendrait égard aux deux catégories,
ce qui permettrait de passer plus facilement de l'une à l'autre. C'est pourquoi, dans le passage du Tétètre mentionné plus haut, Socrate ne s'apprenait pas au logos, mais à lui-même. La distinction énoncée plus haut entre l'héristique qui ne cherche qu'à vaincre l'adversaire par des discours sans se soucier de la vérité et l'antilogique qui tente à soutenir la thèse opposée à celle soutenue par l'interlocuteur prend maintenant tout son sens. L'antilogique, pour critiquable qu'elle soit, reconnaît la possibilité de faire confiance au discours. Et cette confiance, en ce qu'il existe un discours vrai sur les choses, ne doit jamais être abandonnée, parce que la vérité, comme le dit aussi le Tétètre dans 197a, ne peut se nommer que dans les discours. C'est pourquoi dans ce passage du Phédon, il est nécessaire de revenir sur le statut des antilogikoi logoi, dont on aurait pu se passer. Donc l'analyse de la portée méthodologique permet d'ajouter un éclairage supplémentaire à la question de la seconde navigation, annonçant cette sorte de conversion de l'âme qui se détourne des objets visibles au profit des logoi. À la fin de l'exposé, en 101e-102a, Platon, en faisant de nouveau référence aux antilogikoi, s'exprime d'une manière qui paraît confirmer et l'échec et l'importance de la méthode antilogique. L'erreur qui est stigmatisée n'est pas de se servir des logoi, mais de ne pas distinguer la vérité et la découverte d'une contradiction. Reste que identifier une contradiction déblaye le terrain pour le procédé dialectique proprement dit. L'analyse des antilogikoi et des logoi repose sur le danger que représente le mauvais usage des logoi et sur le risque inhérent à la dialectique elle-même. En effet, et comme le montre la République déjà citée, la dialectique comporte un risque intrinsèque, un risque pour le dialegestai dynamai, la puissance dialectique. Platon ne condamne donc pas l'antilogique elle-même, elle condamne l'usage abusif de l'antilogique. En 539b27, n'est-ce pas déjà une importante précaution que de les empêcher de goûter à la dialectique quand ils sont jeunes? Tu n'es pas sans avoir remarqué, je pense, que les adolescents qui ont une fois goûté à la dialectique en abusent et s'en font un jeu qui ne s'en servent que pour contredire, qu'à l'exemple de ceux qui les confondent, ils confondent les autres à leur tour et que, semblables à de jeunes chiens, ils prennent plaisir à tirailler et à déchirer avec le discours tous ceux qui les approchent. Donc ils ne condamnent pas l'antilogique mais son usage et en revanche, ils l'approuvent lorsqu'elle est utilisée à des fins dialectiques. En fait donc 85 CD, ne pas soumettre à une critique exhaustive ce qui a pu se dire sur le sujet et abandonner avant d'être vraiment épuisé, okay, à examiner le problème sous toutes ses faces, ce serait manquer par trop de confiance et d'énergie. Sur ces questions, il faut en effet réaliser au moins une de ces trois possibilités, apprendre ce qu'il en est, le découvrir, ou si ces devoirs se révèlent également impossible, choisir parmi les discours tenus par les humains ce qui s'y trouve de meilleur et de moins contestable, et se laisser porter comme si on sacrifiait un radeau en courant le risque de faire ainsi la traversée de la vie, faute de pouvoir se confier avec plus de sécurité, moins de risques à une embarcation plus solide. Cette manière de traiter les logos se retrouve dans le témoignage de Protagoras, 80 à 10, lorsqu'il débat avec Périclès à propos de la mort de l'athlète accidentellement tué par un javelot. Il s'agit de déterminer lequel des trois logoi est l'orthotatos logos, lequel du javelot, du lanceur ou des organisateurs des jeux est responsable. Cette manière de parler des choses semble être commune à Protagoras, à Socrate et à Platon. Dans le Criton, je ne cite pas le texte parce que je n'ai pas le temps, alors que celui-ci se propose de s'évader, on renvoie au fait que Socrate n'a jamais rien suivi d'autre que le logos, qui, dit-il, après examen, lui semble être Veltistos, le meilleur. Le renvoi au terme « Veltistos logos » n'est probablement pas fortuit et il s'agit d'une allusion claire à la terminologie sophistique. Socrate donc cherche à se distinguer de ceux qui se contentent d'opposer un logos à un autre, ce qui ne peut conduire qu'à la misologie. Il n'en reste pas moins qu'il reconnaît qu'il n'y a rien de solide et de stable au niveau des choses sensibles. Ce qu'il faut, c'est avoir la compétence qui convient pour traiter des logoi, car tous les logoi ne sont pas de la même espèce. Et faute de cette compétence, à l'instar des choses sensibles, Socrate se trouverait lui-même, comme il le dit, sans dessus-dessous. Ce n'est donc après l'échec de ses tentatives pour atteindre la vérité à partir des choses sensibles qu'il décide de se réfugier dans les logoi et d'envisager la vérité des choses qui sont. Et pour ce faire,
Socrate prend pour point de départ le logos qu'il juge, dit-il, sans A4, être le plus fort. Et il pose pour principe qu'est vrai ce qui s'accorde avec ce logos. L'exemple du mot vient corroborer cela. Et cette méthode, dit-il, est la plus sûre pour ceux qui sont donc inexpérimentés parce qu'elle permet d'éviter la confusion dans laquelle s'affaire les antilogicons. En effet, ceci amalgame les causes et les effets et ils engendrent de ce fait une pluralité de logos qui s'opposent les uns aux autres. La voie sûre évite donc les difficultés qu'impliquent les antikaïminoï logoi, comme le dit Sagan D.E. La tournure utilisée par Socrate un peu plus haut et renvoyant au logos que je juge être le plus fort, rappelle le logos le plus fort, le plus orthos des débats sophistiques, et peut-être même de façon plus précise, le créton logos de Protagoras. Gaffer rappelle que Platon présente toujours Socrate comme étant à la recherche de logos satisfaisant, Ikaros, et il se pourrait bien, comme il le conclut, que Socrate participe activement de la recherche sophistique du logos le meilleur ou du logos le plus fort lorsqu'un cas d'antagonisme de logos se présente. La compréhension de ce refuge dans les discours, si du moins on traduit dans ce passage logos par discours, vous ne traduisez pas raisonnement, je crois, dépend de l'interprétation que l'on donne à la seconde navigation. Cette méthode socratique de la recherche du discours le meilleur ou le plus fort indique, semble-t-il, qu'une connaissance directe et immédiate semble exclue, qu'il s'agisse des êtres sensibles ou des entités intelligibles. Prétendre connaître les choses sans aucune médiation conduit à l'aveuglement, comme le rappelle l'exemple de l'éclipse. La seule manière d'éviter la cécité est donc de recourir à une médiation, autrement dit de se situer dans un registre qui puisse nous permettre d'atteindre ce qui est, en utilisant des images ou des hypothèses, à les vérifier par un raisonnement dialectique. Cette méthode par vérification successive, jusqu'à parvenir à un résultat satisfaisant, a été parfois interprétée comme un moment d'arrêt dans le processus de remontée. C'est l'interprétation, par exemple, de Pointerol, comme une visée de l'alphodétos de la République. Mais on pourrait tout aussi bien comprendre, et je suis sur ce point d'accord avec Caserton, comme souvent, que cette cricanon n'est pas le point d'arrivée de la recherche, mais un point d'arrêt provisoire qui laisse la possibilité de trouver une hypothèse meilleure. On se trouve donc devant une divergence des interprétations de cette seconde navigation, soit qu'on la considère comme le passage d'une recherche qui cherche les causes au sein de la nature elle-même vers une position qui déplace la recherche vers les réalités intelligibles, soit qu'on la considère la seconde navigation comme une solution de repli, une sorte de second best, dans la mesure où le premier choix, même s'il est le meilleur, n'est pas praticable. Dans cette perspective, cette seconde navigation, navigation à la rame, apparaît comme meilleure parce qu'elle est plus sûre que la navigation à la voile quand il n'y a pas de vent. La question de savoir si la seconde navigation est meilleure ou pire tombe si on s'en tient au texte qui consiste à se réfugier dans les discours. Les logoi désignent non pas les idées, mais les discours qui sont développés de manière argumentée. Et il s'agit principalement d'un problème de méthode. Il n'est pas dit que la supériorité des idées sur les réalités sensibles en matière de connaissances le permette de se donner aussi facilement à voir que ces réalités sensibles qui se donnent immédiatement à la vue. L'exemple de l'éclipse confirme cela. Et c'est mieux de voir les réalités directement, mais comme cela n'est pas possible, alors une seconde navigation est nécessaire. Les logos servent de médiation et à ce titre de solution de repli dans la mesure où la meilleure méthode serait de saisir l'objet directement. Donc, pour conclure, le recours au logos implique simplement qu'il y a deux types de connaissances, une connaissance directe et une connaissance indirecte, différence qui s'apparenterait à la division peut-être de la ligne. Mais reste que, quand bien même Platon considère que seule la connaissance directe et immédiate est la meilleure connaissance possible, et que, comme le dit la République, la réalité la plus haute est aussi la plus connaissable, Pathelos on, Pathelos nostom, il n'en reste pas moins que la connaissance humaine, qui est par nature discursive, passe nécessairement par la médiation des logos. Les logos sont une forme de connaissance qui est celle même de la connaissance humaine, et nous avons bien d'autres dialogues qui le disent. Pour les hommes que nous sommes, ce n'est en effet que dans et par les discours qu'il est possible de chercher la vérité des choses qui sont. Si Platon se départit des sophistes, il n'en partage pas moins avec eux cette communauté de confiance logoi. Certes, ces logoi sont loin d'être parfaits, et Platon ne manque pas de souligner les contradictions dans lesquelles on peut s'empêtrer
quand on en use à la manière des interlocuteurs, mais ce sont bien les limites de la connaissance mises à l'évidence par les sophistes quant à la possibilité d'atteindre des vérités stables qui vont conduire Platon à chercher la vérité des choses qui sont, non pas dans les choses sensibles, mais dans les logos. La seconde navigation montre donc que, malgré ses imperfections et ses limites, le logos est le seul moyen dont l'homme dispose pour parvenir à la vérité. Les deux références aux antilogikoi logoi du Phédon délimitent donc le cadre dans lequel s'effectue la fuite qui permet de trouver cependant le seul refuge possible, le refuge auprès des logoi. Merci pour votre patience. Professore Casertano. Alonso. What? Alonso. La presenza di Protagora in Platone è fortissima, sono d'accordo con te. Sono d'accordo che a un livello così di esame della contrapposizione tra il vero filosofo e l'antilogico è chiarissima. L'antilogico mira a persuadire soltanto gli altri, il filosofo mira soltanto alla verità. Bene, ma se noi andiamo a vedere che cos'è questa verità, se noi, e pensiamo a quel passo in cui Socrate dice: a me non interessa convincere gli altri, interessa semplicemente pensare che quello che io sto dicendo sia vero. Bene, ora, se questa è la condizione di Socrate, deve essere la condizione di tutti gli interlocutori in un dialogo. E allora tutti gli interlocutori di un dialogo affermano quella che per ciascuno di essi è la verità. E questo è Platone, o no? Tu non sei d'accordo? Sì, sì, e Protagora anche quello che dice, no? La relatività delle verità ogni volta per ciascuno. Torniamo sempre alla invincibilità. Invincibilità di Protagora. Sono totalmente d'accordo. Un'altra domanda? Allora, prego. Prego il professore Tulli. E poi il professor Ferrari. Merci beaucoup, Alonso. Relation. Chi nous indique la possibilité de voir Protagora et en général la position antilogique dans le Phédon. C'est un, je crois, un sort d'hommage aussi dans le contenu mais aussi dans la forme que Platon offre à Protagora et à la position de Phocée. La question est une question littéraire. Tu as dit maintes fois que l'hommage est au début et à la fin de la section du Phédon. Et au début et à la fin, c'est une perspective littéraire, c'est-à-dire une, comment aussi dire, une rime composition, une composition angulaire, qui offre, je crois, un indice très très clair au lecteur. Qu'est-ce que tu penses à ça? Je suis tout à fait d'accord. Je crois effectivement beaucoup insister sur le fait que ça délimitait le cadre de la discussion, et je suis d'accord pour considérer que c'est une composition annulaire qui permet, me semble-t-il, de resituer la position de Platon par rapport aux discussions qui avaient lieu à cette époque-là. Et dans ce cadre précis, en plus, les antilogies, ce que dit Platon des antilogies,
être en lui-même une antinomie. Je ne peux pas développer ce point-là maintenant, mais nous pouvons parler par la suite. Il me semble qu'il y a une double composition, la composition annulaire qui donne le cadre et l'exemple même qui est antilogique, puisqu'il y a une opposition entre la vérité et les antilogies. Et d'être antilogique, je ne sais pas si c'est correct. C'est-à-dire au centre. C'est-à-dire au centre. Professeur Corradi. Donc, j'ai une question qui peut s'adresser aux deux orateurs. Bon, je n'ai pas pu assister à la conférence de Geneviève, mais j'ai lu le texte. Donc, je pose la même question à vous deux. Il me semble donc que chez Platon, il y a une tendance à lier la position antilogique à un certain degré d'érachitisme. Donc, c'est le cas dans le Tétète, c'est le cas aussi dans... dans le Cratyle, d'une certaine façon, et dans le Phédon aussi, avec l'image donc, de l'Euripos. Mais est-ce que cette association est une création platonicienne? Donc, moi, d'autre côté, il me semble aussi que dans la technique antilogique, il y a aussi des éléments plutôt éléatiques. Bon, donc je me posais cette question et je la pose à vous aussi. Est-ce que cette unification de deux positions, antilogique et rapidaine, a un fondement historique réel ou c'est plutôt une création platonicienne visant la réfutation de deux positions en même temps? C'est sûr qu'il doit y avoir une base historique, mais on a beaucoup de difficultés à savoir à qui la part fait référence. D'ailleurs, bon, on sait qu'il y a un lien avec Protagoras, on en parle dans le Sophisme, mais aussi dans le Phèdre, il y a un lien avec le mystérieux Palamède d'Élée. Donc, qui est ce mystérieux Palamède d'Élée? Est-ce Zénon? Est-ce son maître? Ou est-ce, dans le fond, le texte du Palamède? Et puis, donc, et aussi, il n'y a pas juste ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé vraiment intéressant, c'est que Socrate utilise le terme philogikoi à un moment donné dans ses traités. Et quand il utilise ce terme-là, c'est pour parler des gens qui, à son époque, écrivent des dialogues. Donc, là, on se retrouve avec Protagoras d'un côté, les Iliades d'un côté, Platon pourrait même faire partie des antilogikoi. Et puis, donc, c'est comme s'il y avait vraiment plein de figures historiques qui ne vont pas vraiment ensemble, mais bon, il doit y avoir un lien quelconque. Et aussi, il y a la possibilité que lorsque Platon parle des antilogiciens, qu'il fasse dans le fond, référence à plus ou moins un groupe de personnes mélangées, puis que dans le fond, subsume sous un seul terme plusieurs personnes. Mais je sais que, enfin, je crois qu'il doit y avoir vraiment un lien avec Protagoras, mais il y a quelque chose qu'il faut toujours se rappeler, c'est que les antilogies de Protagoras, oui, il y a le terme antilogie, mais c'est pas Protagoras qui a donné ce titre-là non plus à son œuvre. Enfin, on n'est pas trop certain, mais ça a été des siècles et des siècles plus tard que ça a été donné, donc, enfin, juste un petit peu de choses que vous avez dit. Moi, ce que je crois, c'est que Platon a une tendance naturelle à pousser au bout les doctrines qu'il expose. Et donc, dans le cas présent, il poussait l'une et l'autre des doctrines. Et la deuxième chose, c'est qu'il a aussi une tendance à fixer des catégories. Et du coup, produire ce type de discours permet assez aisément de fixer deux types d'antilogies possibles, qui sont l'une celle des aléates, l'autre celle à partir de deux points de vue différents, comme vous l'avez rappelé, le paramètre d'Énée est probablement le Zénon, mais c'est probablement aussi un écrivain de dialogue, donc on ne sait pas bien. Donc il s'agit de produire des images littéraires, ou des personnages littéraires qui vont pouvoir condenser un certain nombre de positions. C'est le cas aussi, par exemple, de la rhétorique des Ménés, par exemple, dans le Gorgias, c'est aussi Caniglès, etc. Il va faire la richiesta de la domanda. Bien, pardon pour arriver après votre parole. J'ai une question à propos du fond.
ce que je vous avais dit. Est-ce que, comment on peut penser qu'il y a un accès direct à l'âme? Parce qu'on doit faire la contribution entre un accès direct et un accès indirect. Et à propos de ça, si vous avez quelques pensées, quelques relations avec les détours qui on peut trouver aussi dans le livre 10 de la loi, où c'est presque le même fonctionnement, il y a avoir une image, logos, à propos de l'essence. Et est-ce qu'il y a une essence de l'âme, s'il y a l'âme elle-même qui on peut se dire ça? Oui, ça va pour répondre très rapidement. Disons que du point de vue de la connaissance est toujours immédiate, on peut dire ça comme ça. Donc, qu'il y ait une vision, elle est appelée par Platon dans de nombreuses reprises, dans le banquet, par exemple, la vision soudaine de nouveau existe. Mais même cette vision-là n'est pas possible sans qu'il y ait quelque chose qui la précède, et qui soit dans le banquet, c'est l'ordre. C'est donc un discours droit et long et médiat, etc. Et c'est vrai pour les lois aussi. Il y a cette idée de la médiation pour la connaissance qui est indispensable et impossible à économiser. Prego. Bon, mais la question est sur le sujet de la relation entre la physiologie et l'anthologie, vous avez dit que la zone de chien qui est extrêmement haine, qui reste le logos. Néanmoins, qu'il utilise le logos. Vous pouvez dire beaucoup plus sur la relation entre la psychologie et l'anthologie. Pourquoi il laisse le logos? Oui. Alors, d'autres, comme j'avais dit, c'était quelque chose de bizarre d'ailleurs, détestant les logos, les logos, mais s'occupe de logos. J'en suis venue à penser dans le fond que si, en fait, si détestant les logos, c'est qu'ils croient justement que les logos sont, ne contiennent rien de vrai ni d'assuré. C'est-à-dire que pour eux, c'est comme si c'était un jouet, vous pouvez jouer avec et les retourner dans tous les sens. Une proposition, qui apparaît vraie à un moment donné, ils vont l'utiliser plus tard, elle va apparaître fausse. Donc, n'ont aucun respect pour, selon moi, ça, pour les logos, d'où le fait que, ce manque de respect. Surtout, en fait, je crois qu'ils pensent sincèrement que les logos n'ont aucune vérité, d'où cette haine des logos. Una piccola, piccola domanda. Ma question concerne justement ce lien entre les anthologiciens et les mythologues. Est-ce qu'on est obligé de considérer les anthologiciens comme des mythologues? Parce que dans un moment, Geneviève Lachance, vous avez dit que en fait, les anthologiciens propageaient la mythologie, mais on n'est pas obligé de les considérer comme des mythologues. Et une autre question très courte aussi que je voudrais poser, c'est que vous avez dit que les anthologiciens procédaient par jeu de mots, par un certain nombre de procédés. Or, dans le texte sur la méthode socratique, Socrate donne un procédé des antilogiciens qui consiste à dialoguer en même temps à propos du principe et à propos des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire, ce procédé des antilogiciens? Voilà, c'est les deux questions. Je pense que pour la première question, je serais capable de répondre. La deuxième, je fais en part avec ce passage extrêmement difficile de la seconde navigation. Peut-être que vous pourriez mieux répondre que moi, mais pour ce qui est de la première question, oui, moi je considère vraiment que les antilogiciens sont des mythologues. Justement, premièrement, on sait qu'on est dans le
dans le passage de la mythologie, quand apparaissent justement les antilogiciens, c'est comme un cas, selon, c'est comme un cas précis, il y a Malice comme précisément. Donc, au début, je peinais, je me disais, oui, mais en quoi, quel est le lien entre la mythologie et l'antilogie? Est-ce que, dans le fond, l'antilogicien, c'est quoi? C'est une personne qui est devenue antilogicien après avoir été exposée à la mythologie? Puis la mythologie, c'est un peu comme le problème de l'œuf et de la poule. Mais selon le passage de la mythologie, c'est appliqué à la fin avec. C'est-à-dire que l'antilogicien apparaît à la fin comme un exemple probant de mythologie. Moi, ça ne fait pas trop de doute. Et puis, en même temps, le fait qu'il s'amuse autant avec les discours et puis qu'il les considère comme une vraie nipo est typique de misologue. C'est, pour moi, ça ne fait aucun doute que c'est une relation misologue. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dopo aver ringraziato i primi due relatori, andiamo ad introdurre il terzo relatore di questa mattinata, il professor Andrew Gellerman, che è assistant professor al Department of Philosophy in Ben Gurion University. Ha lui fatto un dottorato all'Università di Boston nel 2011 e in questo dottorato ha esaminato le ragioni filosofiche della differenza tra il trattamento di Platone e il trattamento di Hegel della nozione di riflessività. La sua ricerca e i suoi interessi di insegnamento sono sulla filosofia platonica e aristotelica e anche sul pensiero filosofico del XIX e del XX secolo in Germania. E ha pubblicato molti articoli, molti lavori in Polis, History of Philosophy, History of European Ideas, The Review of Metaphysics, Epoche e anche altre sedi prestigiose. Ha poi curato le lezioni di Rosen su Heidegger e Platone e insieme con James Ambury sta pubblicando una serie di studi, di saggi, sulla concezione platonica dell'autoconoscenza, della conoscenza di sé, che apparirà presso la Cambridge University Press. E vado subito quindi a dare la parola al professor Andrew Gellerman e la sua relazione si chiama Socratic Iconography, Two Examples in the Phaedo. Second sailing, its flight into Logos. So beyond its specific concerns with immortality of the soul, this is an extended treatment of reasoned speech. Now twice in this section, Socrates employs images to illuminate the nature of Logos. There's nothing unusual in that. That's the standard modus operandi. Here though, Socrates does so in a notably odd way. So today I'm going to focus on the oddity. Our first passage starts at 89d1. Socrates warns his compatriots against the mythology, Misoia, by likening it to misanthrope. The second occurs during his description of the second sailing. On both occasions, Socrates carefully articulates an analogy between logos and something else. So in the first, Misoia and misanthropy, right? They come about ectu aftu troth, in the same manner. In the second, we must abandon sense perception for logos in order to avoid blinding the soul, just as one must not look directly at the sun, but at its reflection in water. In both cases, no sooner has Socrates finished speaking than he promptly reverses course and says that matters are not like what he just made them seem to be. Now, the question that we have to deal with is why does Plato bother these trivial reversals? So surely Socrates is quite capable of saying whatever he has to say directly. Or if images are necessary, then why not more accurate images that Socrates doesn't need to correct the moment he has spoken? With precious few exceptions, we generally ignore these little details. That's not a particularly
particularly seaworthy principle of hermeneutics dealing with any author, but when you're faced with Plato, it's sheer recklessness. I think Socrates' iconography in the Phaedo has two, at least two, purposes. One of them I'll call doctrinal, for lack of a better word, and the other is experiential. That is, each icon illuminates something about logos, while Socrates' sudden reversals of direction aim to create a certain pathos. And this pathos has its own crucial doctrinal implications, we should see. Closer inspection of these reveals a window onto Plato's thinking about how doxa, logos, and perhaps most surprisingly, self-consciousness are related in the act of philosophical rationality. So let's start with the misanthropic passage that we've been discussing. We're at 88c1, which is emotionally a very acute point in the dialogue. Phaedo is just relating to Echecrates, how everyone felt ill at ease under the impact of the objections of Keres and Simmias to the arguments for immortality. They began to doubt not merely that any logos might be true, or they not only doubted themselves as judges, but whether the pragmata themselves were capable of trust. Moreover, says Phaedo, Socrates himself, quote, sharply perceived how we were suffering under the logos. So what we're facing here is not quite like the usual Socratic aporia. We have a kind of general rout, loss of confidence in logos as a medium for the highest truths. In this context, Socrates warns that mythology and misanthropy both arise from an artless or excessive trust which measures its objects by an unattainable standard. The misanthrope starts out by believing that all people are true and sound and trustworthy altogether, and then, you know, encounters repeated examples of human villainy, and that convinces him that there's nothing, quote, at all sound, vivacious, in anyone. And this results, the shameful results, says Socrates, arises from the lack of that techne of human things that would allow him to consider people as they actually are. In fact, the truly worthy people or the utterly wicked are rare. Most people are in the middle on a continuum, from Christotis to Poneria. In the wickedness pageant, right, very few people would take first place. So if this analogy is supposed to hold for logos, then they too are supposed to be some mixture of truth and falsehood. Few of them would be completely rotten. But logos, says Socrates, are, quote, not similar. They're not similar to human beings in that respect. He only made it seem they were because he was following Plato's, Phaedo's lead. Just for me, slip there. Now, this really is odd because what lead was Socrates following? Phaedo made no previous statement about the roots of mythology or about logos, just agreed with Socrates' conclusion that most people are in the middle, he said it's likely. So two questions require our consideration. One, what's the actual situation with regard to logo in contrast to people? And two, why make it seem that logoi resemble people, but in fact they don't? If logoi are not middling like human beings, then while most people appear very rarely at either extreme, we would expect that logoi do appear at the extreme. And that makes some sense, because truth and falsehood are not points on a continuum. They're binaries. Now, what follows from this? Are most logoi true, while a few are false, or is it the other way around? In respect of truth and falsehood, at least, it's more reasonable to assume that there are a few good logoi, true logoi, and most of the rest are lousy. But this is not the only or even the most important difference between logos and anthropos, to which Socrates draws our attention. Logos are continuing, logoi are not similar to human beings in that respect, he says, he's continuing, but rather in this one. This is a long quote that starts at 90b6. Whenever someone trusts a logos to be true without the art of logoi, and then a little later, a logo seems to him to be false. And this happens again and again with another argument and another. And most of all, those who spend their time with antilogos end up thinking that they have become the wisest, and that they alone have noticed that there is nothing sound or stable, but that all beings simply toss to and fro, just as in the Evrikos, and do not abide anywhere for any length of time. Now here too, the language should give us some pause. The epeia, whenever, right, at B6, is the protasis of a sentence that has no apostasis. We would expect to read that whenever someone trusts excessively in logoi, and then encounters someone that are false, or seem false, he'll end up believing that all logoi are unsound. That's what we should expect to read. Instead, beginning abruptly with Kemalista at B9, Socrates starts a new theme, the antilogikoi. These men do not merely conclude that all logoi lacks stability, but that everything lacks stability. Everything lacks stability. Panta ta ontar swept along in this Herakleitean flux. And someone who associates with these arguments will become a mythologist, robbed of pronontosis arithiasis,
truth and knowledge of the being. Loka then are like human beings because one can only handle them properly if one has the tether. But in another, an altogether more fundamental sense, the analogy does not hold. To be betrayed by this or that person can undermine one's faith in human beings. Just human beings. But the kind of disorientation that Socrates' companions are undergoing can destroy their faith in being having a logos at all. That means in its intelligibility simply. So we require an art that not only allows us to see logoi as they really are, but also to see their connection to talenta. This connection is the theme of our next example, the Deftos Plus, the second sailing. Socrates begins his description of the second sailing by remarking on his experiences, right, with Perifiseus, the nature, that had taught him to be on guard against suffering the fate of those who, quote, try to behold and examine Skopumen, the sun during an eclipse. Since they destroy their eyes, they don't look at its reflection in something else like water. Quote, I also considered something like this and feared lest my soul be totally blinded by looking at the Pragmata with my eyes and attempting to grasp them by each of the senses. So it seemed to me necessary to take refuge in the logo and examine Skopen again, the truth of beings and men. So, once again, at the start, things seem to be pretty straightforward. Just as one must look at the sun in some reflective medium to avoid blindness, one must look at Tapagmata not via aesthesis, but in speech. The unmistakable implication seems to be that logo are reflections, right? That they're linguistic, conceptual constructions about beings. In the next sentence, however, Socrates complicates matters. He says, perhaps in a certain way, it isn't quite like what I'm likening it to, for I don't at all concede that somebody who looks into beings in logo looks at them in ekosi, in likenesses, more than one who does so in action. So his analogy was misleading again. But why should the correction of it require attending to the relationship between speech, logos, and action? Why should that be the case? Generally, we assume that our most direct relation to things is through action. That's the everyday assumption. Right? In ergo, we relate to pragmata themselves. Talking is abstract. Doing is the thing. Now, Socrates denies this, but not because either logo or ergo are in unmediated contact with beings. Both of them, in fact, are images. And whatever else may be the case, logoi are not more imagistic, not farther from the originals than ergo. That's what Socrates insists on. Nevertheless, there's a difference. In some circumstances, logoi allow access to the truth of beings. And nothing comparable is said about ergo. Why? Why is nothing comparable said about it? Let's start by recalling that for Plato, the pragmata that surround us can't be originals, at least not in any simple sense. Qua moments of genesis, they're instances of forms or formal complexes. The ultimate fate of any instance is destruction. But unless we intend to reduce our ordinary experience to complete nonsense, this can't be the case for that which makes something an identifiable instance of a kind. Now, clearly, the difference between a determinate thing and the cause of its determinacy is not something we worry about in everyday life. Right? We're perfectly capable of riding a horse without asking what it is that makes two different horses tokens of the same type. You have to go into a philosophy seminar to worry about that problem. Or say we can judge that something is useful without asking how utility is related to goodness. But Plato's dialogues prove that we do become concerned with just these problems as soon as we begin to think. That is, as soon as we begin to think about what it means to be something. Simply put, we confront the Socratic theistic question in dianoia, and it is through dianoia that we reason our way to an awareness that only logos perform can satisfactorily answer the question. This, however, means that logoi, unlike erga, are potentially images of two things at once. They're images of the furniture of ordinary experience, the particulars about which we speak, and they're images of the intelligible structure of the things about which we speak. The intelligible structure which we seek to express in speech. In order for the Deftos Plus to be possible, logoi cannot be reflections only in the way that the surface of water reflects the sun. If they were, logoi would actually be reflections twice removed, reflections of images of beings. Socrates' method would then amount to exchanging sunstroke for fog, so he would have gotten over it, basically. The flight into logos depends for its coherence on the assumption that our use of speech is evidence that we register the intelligible structure of beings, what Aristotle called the eidos of katalogos. Speech is a unique kind of image.
it reflects, and therefore that's why it can distort. But it can also let through. Indeed, its telos is to become a translucent medium for the noiton deidos of the particulars that it images. Socrates' very decision to continue to search for Aikea, despite the shipwreck of all of his previous efforts, assumes the duality of logos as a medium for dokein and eina. Logos is a medium for both dokein. And this duality, I believe, explains the pathos that inaccurate images aim at, and the suitability of that pathos to study the logos. We can approach the matter indirectly, I think, but fruitfully, through Socrates' example of the three fingers in the Republic 7. Among perceptible objects, he explains, some are sufficiently judged by their senses, so that the soul doesn't need to summon parakhalunta, right, to call up the activity of intellect into investigation. However, in cases with two contradictory sensations, so the finger is both large and small, soft and hard, the reports of sensibility become confused and the soul is at a loss. And here we need investigation, and therefore we need to summon logismos and nous to do what the senses can't do. They can't count, and they can't distinguish about among things according to kind. Inaccurate images compel the soul to be an apolia in the same way, but not about aesthesis, but about a higher order faculty, judgment. It is doxatz that is being manipulated when Phaedo is first led to see logoi as like human beings, but then unlike them. And Socrates says that logoi are like reflections, but then they're not quite like reflections. I focused only on Phaedo, but there are examples elsewhere in the course. Republic 375a, for example, where Socrates first leads Glaucon to the conclusion that guardians resemble guard dogs, since both are thymotic. Subsequently, however, because the guardians must be spirited only with enemies and gentle to citizens, Glaucon admits that this is an impossible combination. It's a contradiction. We're at a loss. We're in aporia, says Socrates. Why are we at a loss? Because, he says, they fail to notice that their own icon of the guard dogs, which they abandoned, already contained the required combination of gentleness and ferocity. At Theaetetus 163c, Socrates constructs a lengthy argument to prove that knowledge can be sense perception. If it were, then in remembering something that we once perceived, we could know it, right, since we're not perceiving it now. Just when Theaetetus agrees that his identification of episteme and aesthesis leads to impossibilities, Socrates, like the water in the channel, switches direction. He says, but Theaetetus, what in the world are we about to do? He then remarks that they have been behaving like antilogikoi, agreeing about mere names, onomatopoeia, rather than about what the things themselves are. Last example, Republic 451. Glaucon agrees there to the revolutionary proposal that men and women should share the same tasks in the city. But then Socrates leads him to the conclusion that different natures must be assigned different tasks, and men and women clearly have different natures. So we have another straight contradiction. We're in this fix, says Socrates, because they had engaged in antilogike again, rather than trying to distinguish things properly, kathete. That is, they fail to consider, episkepsani, in what respect men and women differ, and whether this is relevant to the specific business of guarding the policy. Now, all of these examples share a common structure. The interlocutor first commits to a judgment, and then he is compelled to realize first that the judgment issued from a failure to notice something, from an insufficient episkepsis, and then to look again at the mode of looking that led to the judgment. In each case, Plato could have easily had his characters avoid the mistake, but this would be to miss the whole point of the description of paideia as periagoge, of the soul, rather than as the conveying or pouring in of information. In order to turn from becoming to be, the whole soul, and not only nous, must be turned around, just as the whole body, right, has to be turned around with the eye. Socrates' inaccurate images are agents for turning the soul. They force it to become aware of how it experiences appearance. So they're performed examples of a genuinely philosophical relationship to logos, a kind of purification by logos of itself. Simply put, the persistent Platonic distinction between dianoia and nous means that thinking depends on discursivity while also needing to transcend it. Logos is best used as a means to enable nous to see through logos, to see what it is we're speaking about. However, because logos is the medium of dokein and eina, the ability to transit from the one to the other requires a deepening of our awareness of how logos both discloses and distorts. In other words, the completed awareness about speech necessarily means the completed awareness of the limits of speech. Socrates' ekonas are agents of this kind of awareness because they force us to thematize the fact that we judge X to be such and so, for the most part based on the fact that X seems to us to be such and so.
Mythology arises from a general loss of confidence that we could ever tell the difference. Forcing us to look again by contrast, assumes that a better look would yield a clearer and more comprehensive grasp. For example, we're told that logos resemble human beings in one aspect, but not in another. So if we have to get an arm around that whole phenomenon, we have to think the two aspects together and delineate what seems to us to be the case more clearly. Being able to do this, however, requires that our doxai are not simply false. Doxai are partial and provisional. But partiality implies wholeness. And the provisional implies the more definitive. And it's these implicative relations that underlie Socratic iconography. I mean, what I mean is to say is that there'd be no point whatsoever in having me take a second look at anything if I'm hermetically trapped inside my perspectival judgments at any given point in time. And these same relations, these same implications, are the conditions for the transformed role of logos in the deftos. Like Gorgias, Socrates knows very well that logos is a mighty rule, Gorgias calls it, dynastis megas. For Gorgias in the encomium and on not being forced, logos rules over pathi and doxa only. But Socrates is looking exactly for a way out of doxa and toward being. His iconography suggests that logos is the way out, provided we're fully self-conscious about the multiplicity of relations to the world that we express in speech. I want to conclude with a final remark, which is brief, I promise, but not for that reason ancillary. By referring to self-consciousness and self-awareness, I'm not intending that interpretation which holds that the decisive act of cognition is apperceptive synthesis, recombination, and representation by consciousness to itself of the intuited content of sensibility. That view really is foreign to Plato, not because he's a philosophical knave, but rather because he's concerned with an entirely different consequence of that perception. Socrates' reversals really are a rebound of thought onto itself, and hence a form of self-relation, in which the soul becomes aware of itself as that to which things appear, and as that which judges based on appearance. In so doing, these inaccurate images reveal the true contours of ignorance. Because ignorance is not emptiness. Soul is never empty. It's always filled. Doxa, that's the currency of our everyday life. The fundamental problem with these pre-reflective doxa is not that they're perspectival and false, but that they're unaware of their own partiality. Doxa implicitly assumes its own universality. In making the interlocutor stop and turn inward on himself, Socrates makes the interlocutor aware of opinion qua opinion, the incomplete articulation of the structure of experience. Opinion is the incomplete articulation of the structure of experience. This self-awareness is the vital impetus for that process whereby thought gains increasing clarity about the criteria of unity and determinacy, by virtue of which anything can appear to it and hence be thinkable at all, or opinable for that matter at all. For Plato, self-awareness and the catharsis of logos, whose highest expression is dialectic, are one and the same process. The refinement by the soul of its native power, its always present power, to discern intelligibility. Thank you very much. The open discussion, Professor Altman. Andrew, it seems to me that one of the principal advantages of being a person that juxtaposes Hegel and Plato, as both you and I have spent many years doing, is that whenever one finds a dyad in Plato, whenever one finds two, one should always start looking for the third. Right. And so imagine my disappointment when you stopped reading at right before 100a with the words kata fugulanta anakoinus kopein onton ton elethema. And you didn't read the sentences that follow. I only have 20 minutes here. Well, I think that if you had read and discussed them, that you would have come to slightly different conclusions than you did. So allow me to read this. Isosmen un ho aikazo propontina ug eoiken. Ugar panasum coro ton en logois scopumenon poanta en aikosi. Malon scopen etin en ergois, au unde taute ge hormesa, kai hypothemenoi. I think I'll stop there.
And ask a question? The juxtaposition of hypothemenoi and enaikosi in a sentence following the sentence that you quoted, in a paper that actually mentions the word dianoi twice in your paper, how do you, I was very surprised to hear you not mention the divided lines. It says, you and I both know that dianoia is explained in the second part of the divided line as precisely that which is dependent on hypothesis. And by the way, he uses the word tithenai immediately after he uses hypothenos. That hypothemenos and enaikosi are the two defining marks of dianoia. So that if we're talking about iconography in the Phaedo, it seems to me it's incumbent on you to read those next two sentences because they show precisely the limits of image using. So I wonder then why, well, I'll just ask you, do you think that the divided line and the definition of dianoia in the divided line in terms of hypothesis and images is relevant to your topic, Andrew? Yep. Good. Well, so do I. Thank you. Okay. Thank you for the paper. I am very interested. My question is it actually may be conceivably the same as the question you were asking, which I'm not sure about. But here it is. You are talking about a turning towards the icon and the reflection on the icon, and it seems that the turning of the soul, when Plato talks about it, is a turning away from sensible things and away from images, the words and forms. So what I'm puzzled about is you seem to be going in the opposite direction. I meant to say that the use of icons is a way of turning us away from sensible particulars towards forms. Not that we're supposed to turn philosophy into a reflection only on icons, certainly not. Okay. Icons are an agent of periadoke, but they're not supposed to be. We reflect on them in order to look through them, learn how to look through them. What we found, at least what I heard you say, was that we look through them and we come up with the soul reflecting on itself, which is very interesting, but it's not the turning of the soul. Oh, no, okay, so let me clarify that. The soul, since Plato is not a Hegelian, the soul reflecting on itself is not the fundamental act of knowledge, certainly not. The soul reflects on itself in order to learn the Socratic's own imperfections, and therefore purify itself in order to look at the ideas. I fully agree that the soul doesn't turn onto itself in order to then continue reflecting only on itself and spitting out as it were. The structure of intelligibility from that act, certainly not. Right. Thank you so much. I'd like to ask you, to what extent do you think that this role of images of iconography, like the way you're putting it, applies to the many, many, many images we have in the corpus? So do you think this kind of incompleteness is integral to Platonic images? It's very often the case that actually Socrates or other characters as well self-reflectively say, I'm actually using an image so as to distinguish it from reality and not to talk people into believing too much in that image. So one question is this, do you think that this applies to other or many, to all Plato's images? And the other would be, other people in this room felt the presence of the divided line. I felt very much the presence of the seventh letter and the rubbing of logo yeah, together. So, yeah. So I'll start with the second part first. That image in the second letter convinces me personally that it's authentic. Yeah, but I still think it's a minority opinion, but I'm unanimous in that opinion. I think this was put best by an Aristotle scholar, as it happens, Arya Kazin, who said that the goal of rubbing together the logo is to make them transparent as far as possible. So Plato has a conception of knowledge which requires a medium, but the medium, the goal of the medium is eventually to turn into something completely translucent so that the form of things can come through. Now that
that doesn't always work as we well know, but that's the goal. With regard to your first question, I debate about that this question with myself. I think all images in the dialogues are meant to be incomplete and make us think about them. And often Socrates will say, don't hold me, you know, don't hold my notes to the grindstone on every single point in your recollection myth or whatever. What I was interested in here were two examples of myths that were deliberately misleading, where he pulls you by the nose in one direction and then yanks you back in the other direction. It's almost like a vaudeville show. I think there are other examples of that, but since I've only had one cup of coffee, none jump to mind right now, but there are. Okay, I have a conceptual question. You used the image it was like a misleading for somewhere or like an incorrect group, and you use also the limits, and there is a big difference between some images that are misleading, some are some images that is in itself limited. Do you think about that? Can you speak more about that? And you used also iconography. Why not to use the word that exists in Greek, that is iconology, that you can find on figures and other texts? And a last one, I don't really agree that the divided line and republic or the seven letter self is the better way to understand the image in Plato. And I can explain why. Yeah. Just sure. Because we have in the book 10 of the laws, which I see that is the better solution to the use of images that Plato makes on his works, and including the icon itself. And I want to know what you think about that, if you can use also the book 10, because there is a relation in icon, logos tesousias, and name. There is very, very rich passages. So there is. Three and one there. You pull out the money. About the limits and misleading, my answer is similar to the answer I gave to the gentleman behind you. They're not the same. Anything definite and determinate has limits, has to have limits in order to be determinate. That's Platonic orthodoxy. But, and every image has limits qua image. Not every image that Socrates gives is deliberately misleading. Although in most cases he will point out in one way or another that the image is incomplete and that's supposed to make you think about it. I would say this, thinking about limits and thinking about a deliberately misleading image are similar acts of thinking. They're acts of comprehending the nature of image. To comprehend the nature of something, you have to be, in some sense, beyond it. You have to sort of, begreifen, right? You have to grab it in whole. And that means you have its limits, and you also see its imperfection, if necessarily connected to it. Why did I choose iconography and not iconologos? It's a good question, and I have no good answer since I picked iconography simply because I wanted to emphasize really the artistic element of these logo, of these arguments, basically. But it could have easily just with regard to book 10, can I say I agree with you? Yeah, I hate answering that I agree with someone because it means I have nothing else to say. But I agree. You could use it. You could come in from that direction as well. But since this is a paper on the Phaedo,